vrai que pour un gardien, c'est idéal parce que commencer la saison par un clean sheet, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Après, voilà, je suis content, je profite. C'est vrai qu'au début de saison, quand la prépa a commencé, je ne m'attendais pas à jouer dès le début. Mais voilà, dans le foot, comme on dit, il faut toujours être prêt. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma prépa, je me suis mis aussi dans la tête que je pouvais commencer. Donc voilà, ça s'est fait. Donc voilà, maintenant je le prends avec plaisir. Même si je pense un peu aussi à Mathieu, je sais que ça fait mal. Donc voilà. Ça a été idéal pour moi parce que c'est la première fois que je commence en tant que titulaire en professionnel sur un début de saison. Donc c'est vrai que c'était idéal. C'est vrai que j'ai eu le temps aussi de me préparer. Voilà, j'ai fait des erreurs aussi contre Rennes, donc voilà, je me suis mis vraiment en condition. Donc oui, c'est vraiment idéal pour moi. Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé sur le premier match de Guingamp. Je savais que je devais être concentré à 200%. Voilà, le haut niveau, c'est aussi les détails. Donc ce match de Rennes m'a énormément servi. Et voilà, je suis un jeune gardien, donc j'apprends. Et c'est toujours bien aussi parfois de faire des erreurs pour bien apprendre sur le futur. Surtout là, c'était un match amical, donc c'était un match sans importance. Donc franchement, je trouve que même l'erreur, elle arrive au bon moment parce que je me croyais aussi très très en confiance. Donc ça m'a permis aussi de redescendre sur terre un peu. C'est vrai que quand j'ai débuté le match, j'avais un peu la pression parce que voilà, je voulais bien faire. Donc après sur ce match-là, je pense que j'ai bien fait. Et après l'équipe m'a aidé. J'ai aussi senti les supporters derrière moi m'encourager dès le début du match. Donc ça m'a mis directement en confiance. Et voilà, et après j'ai fait mon match et très content de finir sur un clean sheet. Ah, c'est vrai que je prépare la semaine différemment. Voilà, en plus on sait que Sochaux ont joué lundi, donc là j'ai regardé le match plus attentivement. Donc ouais, ça, on prépare différemment. Après c'est vrai que je suis un jeune gardien, j'apprends comment préparer les semaines. Donc voilà, là je sais que je vais jouer samedi, donc je vais préparer mon match comme je le sens. C'est tout ce que le match va être très dur samedi. On l'a vu lundi contre Dijon, on a vu une très belle équipe de Sochaux. Voilà, on va jouer notre jeu. On va pas avoir peur d'eux quand même. Même si c'est une équipe qui a des ambitions de monter. Voilà, mais après, on va jouer notre jeu. Au début du match, il y aura 0-0. Donc voilà, on va tout donner pour remporter ce match. Ou sortir déjà un bon résultat de là-bas. Donc voilà, on apprend bien. Même si on sait que l'année dernière, on a pris cher contre eux. On va tout faire pour, entre guillemets, reprendre notre revanche, montrer un autre visage de nous. Je m'attends à être sollicité sur ce match-là, parce que je sais qu'ils ont une très bonne attaque.